On va aller à la morgue. Parce qu'on adore la morgue. On adore les gens morts. C'est... J'adore ça. Là, là, là. Là, je suis pas angoissée. Vous voyez ? Y'a pas de méchant qui va arriver, hein. Mais Antagonas, t'arrives pour le meilleur jeu. Ce jeu, tu vas le kiffer. D'ailleurs, je te conseille même de le faire. Il fait pas peur et tout. Il est pas glauque, il est pas gore. Y'a pas d'énigme. Que de la facilité pour toi. Tu vois? Vraiment le top du top. Je suis... C'est vrai. Ça veut dire que mon bait n'a pas fonctionné, c'est ça? Tu ne joueras pas à ce jeu, Antagonas? Oh, ouais, t'imagines, on fait tout depuis la salle d'opération? Oh non, quel enfer, Tati Chaud. Oh ouais, non. Je pense à 10 pouces, c'est mieux. Non, non, il est bien, ce jeu. Par contre, ouais, c'est vrai que ça m'embête, on a toujours pas de save, les gars. Si je meurs sans la save... Le rush kit. Non, je sais pas, on verra. On verra. Non, c'est là. Oh non, les gars, il y a un passage dans l'eau. Ah, c'est tout ? Je serais tentée de rallumer l'électricité quand même. On va les rallumer l'électricité. Hein. Je sais ça fait des allers-retours, mais je suis pas très rassurée. Je pense qu'il vaut mieux aller rallumer l'électricité. Ah oui, clairement, Crimson. Hein. Mais là, le problème, c'est que ça fait quoi? Ça doit faire une heure où on joue sans avoir save? Non? Je sais pas. Hein. Une heure sans la save? C'est quand même chaud, hein. Non mais ce bébé il bouge tout le temps, ça me... Non non c'est bon, en fait j'ai coupé l'électricité qu'il y a derrière l'eau. C'est ce que mon personnage a dit quand j'ai baissé le machin pour l'électricité. Elle a dit au moins ça évitera qu'il y ait du courant qui pop ou quoi que ce soit, donc c'est bon. Si rush kit, moi je dis on va s'en souvenir de ce jeu. Ah bah oui, mais non mais il y aura pas de rush kit. Je vais pas mourir. Allez dites le dans le chat que je vais pas mourir et qu'on va réussir. Dites-le. Je veux voir le dire. Par contre... Il y a moyen que les speedrunners, ils aiment bien ce jeu. Il n'y a pas une prédit? Vas-y, petite prédit. Est-ce que je meurs avant la prochaine save? Ulmeo. Petite prédit, est-ce que je meurs avant la prochaine save? Vas-y. Ok. Il y a une prédiction qui va être en cours, les copains, d'ici quelques instants. Est-ce que je meurs avant la prochaine save? Ah bah écoute, Matt, on est quand même mort... à un moment donné, on est quand même mort... On a dû recommencer une certaine partie plusieurs fois. Ok, c'est mieux hein, quand il fait jour comme ça. Heureusement que mon briquet, c'est un briquet illimité. Hein. Parce que sinon, je l'aurais très mal vécu. Non mais regardez, il bouge tout le temps là. Il était là, il est là. Je n'aime pas ce bébé.
Tu t'en sors une méo ou pas? Parce que là, je vais... Je vais bientôt arriver. Ouais, parfait. Elkan a... Elkan. Ah oui, t'as dû galérer avec le mot meurs. T'as dû galérer avec le mot meurs. Bon, vous avez une prédiction en cours. Est-ce que je meurs? Est-ce que je canne? Avant la prochaine save. Il y avait un mot interdit. Bah oui, du coup. Et c'est Yume qui t'a dit le mot canne, j'imagine. Vous avez une petite prédiction en cours. Est-ce que je meurs avant la prochaine save? Oui ou non? C'est parti. Vous pouvez gagner des points de chaîne, les gars. On est à 13k contre 500k hein, pour le moment, c'est tout. Je suis là les gars. Je suis là, il vous reste quelques temps pour miser, ok? Je te dirai quand tu coupes. On est à 30k contre 24k. Hein. 30k contre 24k les gars. Jolene, oh, ok. Ok, Tati Chaud. On est à 37k contre 25k. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. La pression, la pression. 42k. Attendez. Attendez, attendez. Ok, je vois que Matt est encore contre moi. Antagonas qui est pour moi, merci beaucoup. Et salut Lisandro, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Ok, on est actuellement à 52k contre 42k. Encore une minute, tu le mets haut et après on relance le jeu. C'est pas beaucoup. J'avoue que c'est pas beaucoup des 25k, mais bon. Si tu meurs, tu cries pas, hein. Non. Je vais pas crier, non. Non, non, non. Non, non. Ouais, je te dirai et tu stoppes. Je regarde tant que ça monte pour le moment, je laisse. On est à 53k contre 57k. Vous êtes 7 votants contre 9 d'un autre côté. Il y a une cote à 2,3 du côté du non. Hein. N'hésitez pas à mettre vos points de chaîne. Je vois que ça monte encore. Ça monte encore un petit peu. 40k. Matt. Matt qui vient de rajouter 15k en fait. Il a arrondi, Matt. Et oui, oui, Tati Chaud, mais du coup, t'aurais pas dû croire en moi, parce que comme ça, moi, j'aurais survécu et on n'aurait pas... Attention. Ok, on est à 58k. Ok, fin de l'après-dit. Fin de l'après-dit. Les amis, on retourne en jeu. Là, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Il y a un article. Oh, mon Dieu. Fugitif patient. Un patient initialement HBP a disparu. Il était à l'hôpital pour une blessure par balle à l'estomac qu'il s'était lui-même infligé afin d'éviter la prison. C'est arrivé juste après la découverte d'un cinquième corps chez lui. La police continue les recherches dans la zone près de l'hôpital pour retrouver le fugitif. Mais la troisième fois qu'un suspect... C'est la troisième fois qu'un suspect de viol et de meurtre a réussi à s'échapper de l'hôpital. La police n'a réussi à localiser aucun des suspects qui se sont échappés jusqu'ici. C'est vraiment bizarre. Hein. Les gars, je suis en stress. Peut-être que mon cœur il s'emballe pas, mais je suis en stress. Il y a un fœtus. Mais c'est sympa. Ok. Mon Dieu. Mon Dieu. Les draps dissimulent une paire de jambes humaines. Ses corps semblent avoir été opérés de nombreuses fois. Il n'a même plus l'air humain. Oh, oh le son.
Non, non. Attends. Ok. Non, attends. 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 Je suis en... Ah oui! Regardez où on atterrit! Dans la salle de réunion. Voilà. 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 Je vais pas bien, du tout. Je pense que ça se voit, non? Salle d'expérimentation. Il a l'air d'être décédé durant une sorte de procédure médicale. Depuis combien de temps cet endroit est-il abandonné? Je vais pas bien. C'est charmant, toi. Les mots se sont effacés, je ne peux plus les lire. Un drap a été posé sur un cadavre. Des belles de nuit ont été placées par-dessus. Ok. Collection de livres scientifiques. Ok, oh. Alors, qu'est-ce que c'est? Un peu de lecture. Bon, je suis toujours pas morte, hein, mais on n'a toujours pas de save. J'ai localisé le laboratoire secret de mon père. Il était caché derrière un passage secret dans la morgue. Oh! Les expériences fonctionnent. J'ai pu reproduire la condition de Maria en injectant son sang dans le corps d'un homme mourant de l'hôpital. Je l'ai déclaré mort sur son dossier médical. Personne ne s'étonnera de sa disparition. Les premiers symptômes ont commencé à se manifester. Si tout se déroule comme prévu, je devrais pouvoir administrer le premier antidote bientôt. Je me suis aventurée dans la forêt en quête de quoi que ce soit qui pourrait me mener à mes chères filles. Mais comme d'habitude, je n'ai rien trouvé. À l'aube, je suis retournée au manoir et me suis tenue paralysée devant la porte de la chambre qui était autrefois la leur. Je n'ai plus la force de l'ouvrir. On n'est pas allé dans la chambre des enfants, je vous rappelle, hein. De mémoire, on n'y est pas allé dans la chambre des enfants. Je suis sincèrement persuadée que si j'ouvre cette porte... et que je ne les vois pas là, en train de dormir paisiblement, je serai incapable de continuer à vivre. La musique est horrible. Ok, du premier coup. Ok. Mais j'aime pas ça en fait. Oh, regardez comment c'est angoissant. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu.
Ok. Ok. Faudra quelque temps. Une cassette! Experiment Room! Mentalement, c'est dur là. Ok. Quelques jours, ils ont dit, hein. Ça veut dire qu'on va passer plusieurs jours. On va... Ouais, aller chercher les popcorn, un petit film qu'on va se passer ici. Ah oui, alors attends. Ah oui, merde, c'est pas là que ça rentre. Ok. C'est parti. Ok. Quoi? Mais non, mais fais pas ça en fait. Non mais... Non mais... Il faut... Oh la save. Ce corps est en train d'être opéré. Dans un endroit pareil. Il a plus de visage le monsieur, moi j'ai vu. Les gars, j'espère juste qu'on va pas mourir. Oh, il y a des... Regardez, il y a des fœtus jumeaux ici. Ça, ok. On a un livre. On a de la lecture. Ok, pas de soucis, nature. Je te donne ça. Envoie-moi un message, je le ferai après le live. 28 juillet 1967. Les expériences continuent d'échouer. Tous les fœtus sont difformes. J'ai une idée qui nous permettrait d'obtenir plus de sujets de test et d'accélérer le processus. Mais pour ce faire, je devrais commettre quelque chose de terrible et de vies innocentes seront perdues. Je garderai foi. Dieu nous donnera la force nécessaire pour accomplir notre mission. Peu importe ce qu'il nous en coûte, notre objectif est sacré. Du coup, le mec, c'est pas du tout le prêtre, hein, c'est sûr. Un calendrier. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, bah oui, je suis bête. Mais oui, mais je sais. Non? Non, alors c'est pas là. Du coup, c'est la tête. Le mec, il a plus de tête. Non. Mais en fait, il faut qu'on aille là-bas. Sauf que... Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Regardez, il a plus de tête ou de mâchoire, ça doit être ça. Ah non, je suis bête. Salle de réunion? Ah mais non! Attends, parce que moi, j'ai pas trouvé. Ah, pivoine rose. Pivoine, rose ou jasmin, je ne me rappelle jamais. Quand elle s'est approchée de moi, j'ai ressenti comme des papillons. Quand je l'ai caressée, elle était si froide. Je lui ai dédié des poèmes à voix basse. C'était comme un coup de poignard quand elle est repartie déçue.
J'ai attendu qu'elle ait disparu pour hurler dans le vent. Ok, alors. Je ne me rappelle jamais. Pivoine, quand elle s'est approchée de moi, j'ai ressenti comme des papillons. Alors, je me demande si c'est pas le nez, le ventre. Quand je l'ai caressée, elle était si froide. Ce serait la main. Nez, ventre, main. Je lui ai dédié des poèmes. Alors, non. Bouche. Non, ventre, bouche. Non, ventre, main, bouche. C'est comme un coup de poignard quand elle est repartie déçue. J'ai attendu qu'elle ait disparu pour aller dans le vent. Non, attendez, le pivoine, rose ou jasmin, je ne me rappelle jamais. Ça doit être la tête, à mon avis. Tête, quand elle s'est approchée de moi, j'ai ressenti comme des papillons. Tête, ventre, quand je l'ai caressée, la main. Je lui ai dédié des poèmes à voix basse, la bouche. Le coup de poignard, le cœur. Et ensuite, la bouche, ok. Tête. Ventre. Main. Bouche. Poignard. Bouche. C'est ça. J'ai pas aimé le cri, hein. Oh, vous avez vu, c'est pas la même vue, là. Oh! Pas qu'elle lui ressemble quand même vachement beaucoup. T'as pas une bobine de sauvegarde à tout hasard? Là, on s'en fout de moi. Donne-moi une bobine. One of them. What are you doing down here? My grandfather and those men in suits locked me down in this cell. Please, miss, you have to help me get out of here. Of course I'll help. Stay calm, okay? Everything will be all right. I promise. Ouais, je me demande si c'est pas elle du passé mais qu'elle a tout oublié. Okay, miss. Where are your parents? My father is on a business trip. He should be back in a couple of days. And my mother was also captured by those men. Tu n'as rien du tout, tu restes enfermé, hein. On dirait, ouais, on dirait vraiment elle petite ou autre chose, ou alors sa jumelle. Ou alors sa jumelle, parce que je vous rappelle qu'il y a des jumelles. Et là, il n'y a pas la deuxième jumelle. Et pourtant, dans l'histoire, il y a deux filles. Donc c'est possible en vrai, Taticho, c'est ça que tu pensais, non? I'm so sorry. I'll get you out of here. First, we need to find a way to open the door. Tu penses à ça, ok. What do you plan to do, miss? Those men in suits took the key with them. And I don't think it's a good idea that you get close to them. I'm sure there's a way to get the lock off without using the key. Please hurry. There isn't much time. We need to save Mother. We'll get you out. Just wait a little longer. Ah, salut. Utiliser sur ça. Il faudra des jours pour que ça fasse effet. What have you done to the lock, miss? I poured some acid on it. The metal will eventually dissolve, but it will take some time.
I only hope that the acid works fast. There's almost no candle left. You have to be patient, little one. Sooner or later, the lock will fall apart. For now, the best we can do is wait. Thank you, miss. What is your name, little one? Maria? I'm Anna. Anna. Anna Wildberger. I live here in the hospital. Sa sœur Maria. And my sister. Have we met before? Your face seems familiar, but I'm sure we've never seen each other before. Do you work in the hospital? Elle faudra 50 ans plus tard, c'est ça? No, but I have this photograph. Are you one of these girls? What? Why do you have this photograph? I don't know, but I'm trying to figure it out. It was mailed to me a few weeks ago. A few weeks ago? My father took that photo yesterday morning, just before he left for his trip. Okay. What? I swear I'm not lying. I'm telling the truth. What do you want from me? I just want to help you get out of here. Non mais c'est ça, elle va fondre dans 50 ans, c'est sûr. Hein. I'm not talking to you anymore. That acid was probably another lie to fool me. You never wanted to help me get out. Anna, you have to listen to me. I need you to trust me. I am your friend. I don't want to talk to you anymore. Anna, listen to me. J'ai une question. Elle est où la lettre qu'on a reçue? Moi je pense qu'on est Maria. Bon, faut réussir à retourner à un endroit de save, hein. Mais déjà... Déjà on a trouvé ça, maintenant faut pas que je meure. Ça c'est autre chose. Oh yes! On est où? On est dans la salle de réunion, les gars. Où est la salle de réunion? Elle est ici. Si je sors par là, on est où? Salle de save. Oui, elle est là. Oh, les gars, on va pouvoir save. Vous imaginez juste ça? On va pouvoir save, en fait. Si je ne meurs pas. Pas de screamer, hein. Attention. Ok. C'est un devoir de mourir, non? Non, regardez. Yeah! Et c'est ceux qui ont cru en moi qui win. GG. Là. Confirmé. After going through that strange projection, I found myself in a place I'm sure I have been before. But it was different, as if it was the same place at another time. It gave me a feeling I didn't belong. I discovered something terrible. A young girl locked in a cell. Who could do such a horrible thing to a child? There is a robust lock holding the cell door. I don't think I'll be able to locate the key, so I should find another way to open it. I have to get her out of there. Ok. C'est good. C'est bien. Là, là, on est bien. Maintenant, il faut trouver un moyen d'ouvrir la porte. Moi, je propose qu'on y retourne dans le présent pour voir un peu ce que ça donne. On a trouvé la mort. Ouais, moi aussi, je suis grave contente qu'on ait sauvegardé parce que vous imaginez même pas, je pense que j'aurais rage quitte. On aurait eu 1h30, 2h dans le cululu, tu vois. Donc bon. Pas ouf. Il me reste que 540. Oh, quel dommage, Matt. Quel dommage.
C'est qui avait demandé une anecdote d'horreur? C'était Summon, hein? Bah, il est plus là. Je crois qu'il est parti. Donc, on va y retourner. Par ici. Je voudrais juste y retourner là, comme ça, pour voir. Et sinon, ça veut dire qu'on doit s'enfoncer un peu plus. Bah non. Bah non, on pouvait rien visiter d'autre. Donc je pense que c'est là. Oh non, Logan, t'avais misé combien? Oh, le calendrier. Un calendrier. 94. Ok. Quelque chose de très bizarre s'est produit. Une femme est apparue dans les ténèbres, un briquet à la main éclairant ma prison. Au début, j'avais peur, mais son visage m'a rappelé mère. Elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle allait m'aider à sortir d'ici, puis elle a versé de l'acide sur la serrure de ma cellule. Elle m'a montré la photographie que père a prise d'Emma et moi il y a quelques jours. Elle m'a dit qu'elle l'avait reçue dans une lettre il y a plus d'une semaine. Après cela, elle est partie en me promettant de revenir. L'acide a fonctionné, cette femme avait raison. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Heureusement, les hommes en cure ne sont pas encore arrivés. Je vais me trouver une cachette jusqu'à ce que père rentre de son voyage. Les gars. Il va falloir retourner dans le film. On va devoir retourner dans le film. T'es un bon perdant. Bon bah ça va, c'est cool alors. En vrai c'est cool qu'on ait pu sauvegarder quand même, hein. Parce que vous imaginez, on n'aurait pas sauvegardé fin du jeu. On l'aurait jamais repris. Sauf si quelqu'un aurait voulu reprendre ma save. Ok. Vous savez, je viens de prendre un coup de pression. Avec mon ombre. Ça m'a fait un peu peur. Ok. Vous pensez que les mecs ils vont arriver? Bah. Attendez. Alors, La serrure est censée être tombée toute seule. La serrure est censée être tombée toute seule. Alors là, il y a quelque chose que j'ai pas. Veut dire que... Parce que là, on est d'accord, ça nous a servi à rien. Dans le monde actuel, ça nous a servi à rien à pas récupérer un livre. À moins qu'on montre ça à la gamine. Parce que là, on n'est pas censé la revoir. Je vais y aller au cas où. Je vais lui parler. I don't want to talk to you. Quelqu'un a-t-il une idée? Attendez. Journal d'Anna, journal de Maria.
J'ai une idée, mais pas sur les gamines. Ah, parce que là, moi, je pense qu'il faut faire ça, mais... Vas-y, dis-moi ton idée, Daticho. Regardons un peu la carte. On a un entrepôt avec un ordinateur, on n'a pas la disquette. Le studio, ok. Les archives, on peut pas y aller. Toilette publique, il y a un méchant, mais c'est tout. On peut pas aller à la laverie ni aux douches. Et c'est ça, hein. On peut pas aller à la laverie ni aux douches, hein. Dis donc. Je crois que tu as raison, Taticho. Surtout si on fait tomber la savonnette, ça dépend pour qui, hein. Il y en a qui apprécient faire tomber la savonnette, Dark. Mais qu'est-ce que je fais? Désolée, hein, je... Waouh. Ok, c'est là. Salle de réunion. Non, non, non. C'est ça, je rentre dedans. Un GPS, ouais, un GPS, s'il vous plaît. Je me perds. D'ailleurs, un instant cookie. Hein. Oui, j'aimerais aussi le mieux. Non, t'as du chaud. C'est pas ça, malheureusement. Je peux rien faire au mec. Moi, je pense que j'ai raté quelque chose là où... Oui, mais non, parce que c'est la chambre des filles. Et la chambre des filles, je peux pas y aller. Enfin, pour moi, ça me paraît évident que je puisse pas y aller. Mais bon, on sait jamais, on va aller voir. Ouais, ouais, je sais, Taticho, hein, t'inquiète. Mais du coup, elle est pas... Elle n'est pas validée, cette théorie. Je peux pas allumer? Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est fermé depuis l'autre côté. Non. Mais si, vas-y, Karan. Attends. Qu'est-ce que j'aurais zappé? Qu'est-ce que j'ai pu zapper? Non, vas-y, Karan. J'ai zappé quelque chose. Dis-moi. Je veux savoir. Ok, à la morgue dans mes rêves ou pas? Et bonsoir, enfin rebonsoir Tom. À la morgue dans le film ou à la morgue IRL? Enfin, t'as compris quoi.
Attendez, je vais finir le cookie quand même parce qu'ils sont seuls là. Oh. Moi. Oh. Le jeu est génial, Tom, mais il est dur. Ok, j'ai raté quelque chose. J'ai encore raté quelque chose et je ne sais pas quoi. On va aller voir. Mais en vrai, je me disais, oui, il y a une sortie. Et après, je me suis dit, il n'y a plus de sortie. Il faut bien gérer tes soins, tes munitions et ce genre de choses. Parce que sinon, t'es foutu. Et en plus de ça, il est quand même dur niveau énigme. Mais c'est cool, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Hein. J'ai raté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai raté? Je sais à quoi elle sert cette clé, les gars. Elle est où la clé des chiffres? Ah si, ça y est, je me souviens. Bien vu, Kieran, tu sais que j'avais pas du tout vu qu'il me restait ça. Hein. Optimisation... de balles... Attends. Non, non, c'est pas optimisation de balles, c'est surtout optimisation du soin, de tout en fait. Faut que tu optimises tout. Mais ça va aller, regardez. On va aller là-bas. Hop, voilà. Attendez. C'est à l'autre étage, donc c'est là. Il fait peur... comme un Resident Evil, je te dirais. Comme un Resident Evil... dans ses débuts. Comme un Song of Horror. C'est angoissant. Ça fait pas peur tout le temps. Mais... enfin, moi, je trouve ça vraiment cool. Ça date ici et je l'ai pas du tout vu le point brillant. En fait, il y a tellement des fois des points brillants pour rien. Genre, tu vois, des fois, il y a des petits trucs comme ça qui brillent. Ça n'a aucun sens que du coup, je... C'est glauque. Du coup, c'est... Enfin, bon, je sais pas. Alors, attendez. Combiné. Donc. 3. Cinq. Non, c'est pas ça, 5. C'est ça, 5. Quoi? Ah non, mais n'importe quoi! J'ai inversé, attendez, examinez. C'est 5. 3. Utiliser. 5. 3. 8. Attendez. Bisous, Tom. Sinon, moi, j'avais une autre théorie, d'accord? J'avais une autre théorie qui était 3 et 1. Voilà. Non. Je ne peux pas la tourner, alors attendez. Pourquoi? Est-ce que c'est pas dans l'autre sens? Est-ce que ce serait pas juste dans l'autre sens au final? 8, 3 et 5. P-
pourquoi c'est à l'envers? Pourquoi les autres chiffres sont à l'envers? Je comprends pas. Mais parce que déjà là ça fait 6 et ça fait pas 8, voilà. 3 plus 5 égale 8. 3 plus 5 égale 8, donc 3. Non, c'est ça. En fait, je me trompe depuis le début. Mais je me trompe simplement de forme depuis le début. Là, on va remettre 5, 3 et 8. Non. Pour moi, les chiffres correspondent au nombre de côtés. Un, deux, trois, quatre. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc c'est ça. Donc, 8. 5 plus 3 égale 8. Bah oui. Et si... 3... Non, 8, 5, 3. Ah oui, oui, bah oui, du coup, faut que je fasse l'inverse, t'as raison. 8, 5. 8, 3, 5, pardon. Oh non! 8. Mais je crois que je l'ai fait celui-là, hein, Tati Chaud. 5. Non, par contre. Pourquoi le 3 et le 5 sont à l'envers? C'est surtout ça qu'il faut se poser. Non, mais regardez, un trait égale 1. Donc pour moi, le 8, d'accord? Le 8, il n'y a qu'un seul trait. Le 3, il n'y a qu'un seul trait. Et le 5, 1, 2, 3. Donc je vais repartir sur ma théorie. Donc dans l'autre sens. J'aimerais bien foutre un coup de pied dans la porte. En tout cas, je suis quasiment sûre que c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ou alors, c'est cinq partout. Chouette, un nouveau jeu Layton. T'as vu ça, Lister? Bonsoir, comment vas-tu? Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le 8 est à l'endroit et pourquoi le 3 et le 5 sont à l'envers. Et un trait égale 1.
Donc... Peut-être qu'on se prend trop la tête, hein. Hello Nanawan, comment ça va? Ou alors le 8 est retourné. Ou alors le 8 est retourné, c'est vrai. Tu penses qu'elle ouvre une autre porte? C'est possible, hein, c'est possible. Mais... Tu sais quoi, on va voir l'autre porte. Il y a une autre porte qui peut s'ouvrir. C'est celle-là. Là. Hein? Ça va, merci Nanawan. On va voir. Non, pas la porte avec le mec et le globe. Il n'y a aucune logique là-dedans. Mais il est possible que... Voilà. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. On est sur... Mince. On est sur un carré. On est sur un triangle et on est sur ça. On aurait pu rester longtemps. Hein. On aurait pu rester longtemps. Bon bah voilà. Il y en a plein. Il y a celle des gens à poil. Ça a été avec Tetris. Mais c'est bon, j'ai. J'avais complètement zappé et en fait, c'est vrai que ça paraissait évident. On est dans les archives, les gars. Qu'est-ce qu'on a dans ces archives? À quoi ça sert? 2, 3. 2 au milieu, 3 en bas. C'est bon pour vous? 2 au milieu, 3 en bas. Voilà. Oh oui, de la save. J'aime les saves comme ça. J'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à côté des archives, les gars? Oh, le hall principal. Oh, oui, on va... Oui, c'est là qu'on devait atterrir depuis le début. Ça, c'est... Oh là là, oh là là, oh l'énigme, oh l'énigme. Ça va être terrible. Je vais regarder, ouais, Karan, je vais regarder. Le nouveau réceptionniste m'a dit qu'il a beau essayer encore et encore, il n'arrive pas à débloquer la caisse enregistreuse. Apparemment, le seul moyen qui arrivait à l'ouvrir était le docteur Sinmeyer, qui a disparu depuis la semaine dernière. J'ai vérifié ses effets personnels et tout ce que j'ai pu trouver est un bout de papier sous son bureau. On dirait presque que quelqu'un a voulu effacer toute trace de son existence. Ok. Donc... Vous vous souvenez, là c'est 2 et là c'est 3. Vous vous souvenez, hein, là c'est 2 et là c'est 3. Ça veut dire quelque chose, hein. On est d'accord. Oh, oui. Ok. Oh, facile. Oh, facile comme tout, l'énigme. Elle est où? Oui, c'est ça. Hein. Non, c'est pas celui-là. Non, faut juste que je le retrouve. Mais ça va aller. Ça va être rapide. C'est là. Ok. Non, en fait, je comprends pas.
Pourquoi ça c'est 2? En fait, ça c'est censé être 2. Ça tu penses? Ouais, mais c'est de la logique que moi c'est compliqué. Ça, c'est censé être 2, ok? Et ça, c'est 3. Non, mais c'est facile. Vous allez voir, vraiment. Non mais voilà, après. Je crois que mon cerveau il est en off parce qu'il comprend pas du tout l'énigme. Mais parce que je reste bloquée avec le 2 et 3. Attends. Ça c'est 2 et ça c'est 3. Il me faut en vrai, il faut que je note les gars, il faut que je note, il me faut un papier, je vais noter. Non non, attendez, je vais essayer, ne dites pas. OK, ça c'est 2. Ça c'est 3, ok. Donc... on va prendre les documents. Et on va noter les carrés là. Alors... tac, 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 tac. Et il y a un plus et le truc il est au milieu là. Ok, ensuite... c'est un losange avec un plus et il est tout en haut. Ensuite, c'est juste une croix avec barré en deux, avec le point au milieu là. Et le dernier, c'est... c'est pas le 2. Ah, attends, est-ce que c'est des calculs? Est-ce que ce sont des calculs? C'est ça? Pas vraiment. Bon. J'ai mon petit dessin ici, hein. Comment ça? Non mais c'est tout à fait logique. Par contre, je veux pas qu'on me donne la réponse, hein. 2, très bien. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que ça colle pas. Ça colle pas avec ce qu'il y a marqué dans les archives. Parce que regardez. Là, ce sont juste des carrés barrés, ok? Et là, on n'a pas que des carrés barrés, d'accord? Ils sont pas barrés, les carrés. Ou alors... Karen, oh non. Alors, si je pars de ce principe-là, on partirait sur
Du 2. Ensuite, on partirait. Oh, attendez, j'ai peut-être... Attendez, j'ai peut-être... Et je suis pas sûre de moi. Je suis pas du tout sûre de moi. Attendez. Attendez. Bah oui, non mais c'est oui. Juste pour savoir si on a tous la même idée, on peut mettre le... Bah non, non, si tu mets le premier chiffre, je vais pas... Attends, dans pas longtemps, Alistair, je vais bientôt rage quit l'énigme. Bon, je veux bien le premier chiffre. Non, non, mais allez-y pour le premier chiffre. Vous mettez tous le premier chiffre en même temps, les gars. Juste le premier chiffre. Oh, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Regarde ça. J'ai compris. Bon bah c'est bon. Ok, en fait c'était... oui, non mais d'accord, c'était facile. J'avais même pas besoin de vous, j'aurais trouvé, hein. Voilà. Oh, un... Oh, trop bien. Qu'est-ce que c'est? Symbole papillon. Ok. Et... Du soin.